Im Jahr 2015 veröffentlichten wir die Dokumentation Une vie de lutte über den von Nazis ermordeten Aktivisten Clément Méric, den Aufstieg rechter Kräfte in Frankreich und antifaschistische Kämpfe in Paris. Im Juni 2016 reisten wir erneut nach Paris, um einige Genossinnen wiederzutreffen und uns an den Gedenkaktionen rund um Clements dritten Todestag zu beteiligen. Wir wollten wissen, ob es etwas Neues im Prozess gegen die beiden Hauptangeklagten gibt und in welcher Form Clément an diesem Wochenende gedacht wurde. Il y a eu des nouvelles par rapport à l'enquête qui a eu lieu suite à l'assassinat de Clément. Donc ils ont toujours pas retenu le point américain. Il n'y a pas d'homicide involontaire, c'est toujours les mêmes chefs d'inculpation. Ces derniers mois, l'enquête a été close. Ils laissent à chaque partie la possibilité de rajouter des choses sur le dossier. Et pour le moment, on n'a pas de date de procès. On nous a parlé peut-être de l'hiver 2017, mais on n'a aucune assurance de la date. Cette année, la commémoration pour Clément s'est déroulée un peu dans les mêmes circonstances que la première année, c'est-à-dire que nous avons organisé deux concerts sous la forme d'un festival le vendredi et le samedi, un concert rap, un concert punk, ska, reggae, oi. Donc c'était vendredi, samedi. Le samedi après-midi, nous avons organisé une manifestation. Et le dimanche, il y avait un tournoi organisé par le MFC avec différentes équipes de France, de Paris et d'Europe. Et c'est important pour moi que les morts, ce ne soit pas quelque chose de triste, de commémorer la mémoire des gens qui sont morts pour une cause ou une lutte. En faisant la fête, les gens se retrouvent, partagent des moments et tout. Donc, C'est un moment de partage, tu vois, c'est un concert. Notre rap, c'est un concert par rapport à la commémoration de la mort de Clément. C'est un rappel par rapport à une mémoire. Et c'est aussi une façon de se dire, bon, bah, on est ensemble, on passe un bon moment, on se serre les coudes. Surtout que y a la mort de Clément, mais il y a la vie, quoi, enfin, et le contexte social et politique. Donc là, par exemple, la commémoration, elle tombe à un moment où il y a beaucoup de luttes sociales et tout. Donc c'est important que les gens qui se disent antifascistes et notamment proches des organisations dont faisait partie Clément se retrouvent, passent un bon moment, commémorent ensemble, mais surtout pour avancer, tu vois, pour donner envie d'aller plus loin et de faire des choses ensemble, quoi, tu vois. Et donc c'est la partie chorale debout et orchestre debout qui a décidé de rendre un hommage chanté en fait à Clément. Enfin, moi je trouve que c'est appréciable parce que c'est une démarche qui vient de gens qui ont été vraiment touchés par ce qui s'est passé. Après effectivement la déclamation et l'adresse à la République nous touchent moins parce que ça fait pas partie de nos principes politiques, mais c'est quelque chose qu'on accepte en fait parce que on est pour la diversité des tactiques et des opinions, donc voilà. Pour ce qui est de l'intérêt vis-à-vis de ce qui s'est passé pour Clément, bien entendu, la première année, voire l'année même, tout le monde était intéressé, tout le monde était peiné, tout le monde a été touché. Et avec le temps, comme pour beaucoup de personnes qui ont été assassinées, l'intérêt diminue, ou en tout cas est remplacé par d'autres affaires, d'autres faits divers, comme on dit. Cette année, ça a été beaucoup plus difficile de réunir des organisations autour de cet événement. Bien entendu, certaines organisations sont toujours là, continuent à se battre pour que cette mort ne tombe pas dans l'oubli. Des liens ont été créés avec d'autres pays en ce qui concerne les assassinats organisés ou en tout cas effectués par des fachos. Des liens ont été créés avec les Italiens. Donc les parents de Clément ont des contacts avec des mères italiennes qui ont perdu leur enfant suite à l'assassinat de leur fils ou de leur fille. Pour ce qui est d'autres collaborations, il n'y a pas grand-chose qui a été mis en place puisque c'est vrai qu'on se focalise davantage sur l'enquête, sur ce qui se passe actuellement et
Et c'est difficile de trouver des liens vis-à-vis de tout ça. Je m'appelle Jean, je fais partie du RAJ, Réseau d'agitation Genève, anciennement Réseau antifasciste Genève. Si nous, on est venus pour ce week-end pour la manifestation, à la base, on était déjà venus il y a 3 ans en arrière, donc quand Clément a été assassiné, on est venus à la toute première manifestation. On est venus aussi au premier anniversaire de sa mort. Pour nous, c'est très important d'être présent à ce genre de moment pour montrer notre soutien moral et notre soutien aussi logistique à nos camarades ici. C'est très important parce que on a observé que l'extrême droite crée des alliances transfrontalières, transnationales, et que de l'autre côté, il faut aussi qu'on tisse notre réseau et qu'on crée la solidarité sur un niveau international. Et c'est pour ça qu'on a également participé aux manifestations de commémoration de Dax à Milan. Et voilà, on pense que c'est extrêmement important de garder la mémoire de nos camarades qui ont été assassinés et de continuer leur lutte. C'est très important de sortir de l'isolement et de créer des contacts au niveau international. On va lancer une campagne pour le procès en fait. On n'a pas encore de date, mais on commence dès maintenant à travailler sur ça. Parce que quand ça va arriver, il faudra qu'on soit prêt et prête à réexpliquer ce qui s'est passé, mais également être présent sur tout ce qui est Internet, étant donné que l'extrême droite est très très présente sur les réseaux sociaux, beaucoup plus présente que nous en fait. C'est par exemple tout ce qui est intox, contre-vérité, pouvoir rétablir les faits, ce genre de choses, et également sensibiliser les gens en fait que c'est un crime politique. C'est pas juste une rixe qui a mal tourné dans une rue quoi. Am 4. Juni 2016 fand die Gedenkdemonstration zum dritten Todestag von Clément statt. Es beteiligten sich Menschen aus ganz Frankreich und vielen weiteren europäischen Ländern. Neben dem Gedenken an Clément wurde an diesem Tag unter anderem auch der Protest gegen die zunehmende Militarisierung des öffentlichen Raumes, die neoliberalen Arbeitsmarktreformen und den steigenden Repressionsdruck von Staat und Polizei auf die Straße getragen. Je dirais à peu près 3000 personnes, une manifestation relativement décidée, mais nous nous sommes fait arrêter par la police qui a séparé la manifestation en deux morceaux. Et donc là, nous sommes dans une asse, donc nous sommes retenus depuis, je dirais, 45 minutes, à hauteur du canal Saint-Martin. On le savait parce qu'il y a quelques semaines, une voiture de police a été brûlée sur ce parcours-là, sur cette rue où on a été bloqué. Et donc, on se doutait qu'un retour de bâton aurait lieu. Alors la manifestation d'hier, pour ceux qui étaient là, enfin ceux et celles qui étaient là, ça a été assez violent. La manifestation devait se rendre d'un point A à un point B, devait partir de Stalingrad, circuler dans Paris pour finir dans le 20e arrondissement. La manifestation a commencé à 14h, elle s'est, on va dire, terminée vers 15h30, puisque les forces de l'ordre ont décidé de nasser, d'enfermer, ou en tout cas de bloquer, les manifestants entre divers cordons de CRS. Au niveau de la répression, s'inscrit totalement dans les mouvements sociaux qui ont eu lieu ces derniers mois vis-à-vis de la loi travail. Plus on avance dans les manifestations, plus les manifestations ont lieu et les semaines passent, plus la répression est féroce. Comme on peut le voir par exemple à Rennes, à Nantes et un peu partout en France, à Lille entre autres, où des personnes, des militants politiques font face à une répression énorme parce qu'ils ont osé investir un lieu public, parce qu'ils ont juste le malheur d'être dans une manifestation, parce qu'ils ont juste le malheur d'être à un endroit où ça a dérapé, on va dire. Et donc, à partir de ce moment-là, tout militantisme devient répression.
Je constate de mémoire de manifestant qui a un peu plus de 20 ans de manifestation derrière lui, c'est que je n'ai jamais vu la police faire monter autant la pression de manière systématique dans les manifestations. La violence sur les jeunes manifestants, sur les lycéens, c'est eux qui vraiment prennent le plus de coups, bien plus que nous dans les cortèges syndicaux, etc. Le fait de s'organiser collectivement pour lutter est criminalisé. Alors on dit casseur, on dit déjà terroriste, et ça c'est un discours qui a toujours existé évidemment, mais là il est appuyé par des détentions préventives, des gardes à vue qui sont systématiquement prolongées, des arrêts comme ça préfectoraux totalement arbitraires. Et les avocats eux-mêmes nous disent aujourd'hui, c'est vraiment une parole d'avocat, aujourd'hui tout est possible. Aujourd'hui, par exemple, la police, il y avait une manifestation antifasciste hier, la police a nassé, a donc encadré toute une partie de la manif, et les gens pour sortir devaient laisser tout ce qu'ils avaient sur eux. Donc je veux dire, c'est du vol caractérisé de la part de la police dans un cadre. Et effectivement, les gens se laissent faire, on pourrait le critiquer, mais en même temps, l'arbitraire policier étant ce qu'il est, aujourd'hui, on ne sait même plus trop comment s'y prendre. Et je crois qu'il y a tout un travail aussi qui est mené, de dire non, tout n'est pas permis, non, on peut encore utiliser ce qui reste du droit pour se défendre. Et il y a aussi tout un courant qui se développe là-dessus, y compris sur l'entraide. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup mieux équipés, par exemple, contre le gaz lacrymo que ce que moi, j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des gaz qui sont lancés. Si vous n'avez rien, il y a 10 personnes autour de vous qui vont vous proposer de vous nettoyer les yeux. C'est tout à fait nouveau. Pas que des gens le fassent, des gens le faisaient déjà avant. Mais le côté systématique et le fait que ça soit rentré dans des pratiques communes. Ça, je crois que c'est vraiment intéressant, même si c'est un peu anecdotique, je crois que ça veut dire quelque chose. Il y a une autre chose qui est marquante, c'est qu'il y a quelques centaines de personnes à chaque manifestation qui vont affronter la police, parce que c'est leur choix politique de le faire. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a de plus en plus de monde dans les manifestations qui est derrière eux, qui ne choisissent pas de combattre, mais qui choisissent d'être derrière, un peu en repli, une forme de soutien pacifique, mais déterminé à ces gens qui, en disant, c'est leur modalité d'action, certes c'est pas la mienne, mais je n'ai pas envie pour autant qu'ils se fassent arrêter. Et ça, je ne me souviens pas d'avoir vu ça dans d'autres mouvements précédemment. Nach den Anschlägen im November 2015 verhängte die französische Regierung den Ausnahmezustand, der seitdem fortwährend vom Parlament verlängert wird und bis heute andauert. Der Notstand, der unter dem Vorwand der Verhinderung terroristischer Attentate verhängt wurde, zieht eine zunehmende Militarisierung des öffentlichen Raumes nach sich und erleichtert staatlichen Sicherheitsorganen das repressive Vorgehen gegen politisch unliebsame Personen und Strukturen erheblich. So führten von bisher weit über 2500 ohne richterlichen Beschluss durchgeführten Hausdurchsuchungen lediglich 5 zu einer Anklage wegen Terrorverdachts. Inzwischen plant die Regierung zahlreiche Notstandsmaßnahmen durch eine Verfassungsänderung in den Normalzustand zu überführen, was eine massive Einschränkung von Grundrechten bedeuten würde. Alors l'état d'urgence c'est quelque chose qui a complètement chamboulé l'atmosphère politique en France, ou en tout cas l'activisme, puisque à partir du moment où ont eu lieu les attentats, bien entendu l'état d'urgence s'est mis en place, la police est de plus en plus présente dans les rues, voire il est impossible de ne pas croiser la police quand on sort. Et pour ce qui est des mouvements sociaux, des manifestations, des commémorations politiques, des actions politiques, etc., des rassemblements, la police est partout. Au début, ils interdisaient les manifestations, les rassemblements. Maintenant, ils ont lâché un peu du lest, donc on peut quand même faire des manifestations. Mais comme on peut le voir ces derniers mois avec la loi travail et le mouvement que ça a mis en place en France, la répression est de plus en plus présente et de plus en plus violente. Puisque là, ils sont en train de nous préparer une loi qui pourrait dire que l'état d'urgence est terminé, mais les mesures policières et judiciaires seront les mêmes. Donc, l'état d'urgence, on le ressent beaucoup dans les quartiers populaires d'abord. Et ensuite, sur ce mouvement, on sent quand même qu'il y a une pression policière qui pousse vers la tension, jusqu'à ce que les manifs dégénèrent, jusqu'à ce que les gens soient excédés.
les principaux soirs où il y a eu des affrontements sur la place entre toute la jeunesse, qu'elle ait 18 ans ou 70 ans, de la place et la police, c'est les soirs où il y a eu des manifestations le jour, où la police a mis une pression énorme sur les cortèges de manifestants. Là, c'est vraiment... ça frappe tous les milieux contestataires. Ça, c'est clair que l'état d'urgence a vraiment changé la donne. C'est-à-dire qu'on a ça fait deux mois qu'on voit de l'inédit quasiment chaque jour. En termes de stratégie de maintien de l'ordre, pour des militants, qui ont une certaine expérience, on voit des choses qu'on n'avait jamais vues avant, c'est-à-dire un maintien de l'ordre très offensif, très agressif, avec une volonté de frapper physiquement. On n'est plus dans cette espèce d'accompagnement, de mouvement de foule, d'entente tacite entre les manifestants et le maintien de l'ordre. Là, vraiment la volonté de faire peur, spécialement sur la jeunesse. L'état d'urgence impose une répression féroce et encore plus pour les minorités et les personnes non blanches. C'est-à-dire que aujourd'hui, on cherche des coupables pour ces attentats, on cherche à ne plus avoir d'attentats liés à Daesh ou à ce qu'ils appellent le communautarisme religieux. Aujourd'hui, le communautarisme religieux, pour l'état d'urgence, pour le gouvernement et peut-être même pour la population, il concerne que les musulmans. C'est-à-dire que quand on est catholique, juif, hindou ou quelconque autre religion, on ne peut pas être communautariste, on ne peut pas être extrémiste religieux. Il s'agit pour l'État français que des musulmans. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse répression qui est mise en place. On cherche à trouver des djihadistes un peu partout. On met des personnes en garde à vue dès qu'une barbe est un peu trop longue, que les vêtements ne plaisent pas. Et bien entendu, pour les femmes voilées, c'est quelque chose de très compliqué aussi, puisque aujourd'hui, la femme voilée est un ennemi pour l'État français et pour la population française à cause des médias qui communiquent sur ces questions-là. Im März 2016 regte sich in Frankreich Widerstand gegen eine neoliberale Arbeitsmarktreform der Regierung. In der Folge organisierten französische Gewerkschaften Streiks, die sich auf das ganze Land ausweiteten. Parallel formierte sich eine junge Protestbewegung, die sich Nuit Debout nennt und unterschiedliche Menschen zusammenbrachte, die bald nicht mehr nur das neue Arbeitsgesetz kritisierten, sondern das politische und wirtschaftliche System in Frage stellten. Als Initialzündung für die Entstehung von Nuit Debout wird auch der antioligarchische Dokumentarfilm Merci Patron genannt, der die Schließung von Fabriken in Nordfrankreich durch einen Luxuskonzern und die daraus resultierende Arbeitslosigkeit und Armut der Arbeiterinnen behandelt. Das Gesetzespaket wurde inzwischen verabschiedet, jedoch kämpfen Aktivistinnen und Gewerkschafterinnen weiterhin für dessen Rücknahme. Alors, au départ de Nuit Debout, il y a plusieurs accidents. D'abord, il y a un film, le film de il y a un journal qui s'appelle Fakir. Le film s'appelle Merci Patron. Et les personnes qui ont fait ce film se sont rendues compte qu'aux avant-premières du film, il y avait beaucoup de gens qui sortaient avec beaucoup d'énergie, envie de faire des choses. Et ils ont dit, OK, on prend les coordonnées de tous les gens qui viennent voir ce film et on va se retrouver un jour à la Bourse du Travail, qui se situe juste de l'autre côté de la place. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on fait de toute cette énergie. Et à la fin d'une assemblée, a été proposé, après la manif, on ne rentre plus chez nous. On en a marre de faire une manif une fois par semaine, retourner travailler, on revient la semaine d'après, on retourne travailler, etc.
Il y a une manifestation, celle du 31 mars, après laquelle on ne rentrera plus chez nous. On investit une place et on y reste. Et ça s'est organisé à partir de là. Il y a des dizaines, des centaines de personnes qui ont organisé le fait qu'on puisse rester ici toute une soirée et même tout un week-end pour pouvoir parler de politique, pour pouvoir nous retrouver parce que nous étions en lutte sur différents secteurs d'activité et nous avions envie de pouvoir partager les raisons de nos mobilisations, nos moyens de mobilisation et même notre mobilisation. Donc on a fait ce qu'on appelle la convergence des luttes en se retrouvant ici et en prenant le temps de se rencontrer, de discuter et de construire ensemble. C'était pas spontané parce qu'on a préparé la chose, mais ce qui était très intéressant, c'est que les gens qui répondaient à cet appel étaient en grande majorité des gens qui n'avaient pas d'expérience militante, qui découvraient tout, mais avaient très envie de faire des choses. Donc on était plusieurs à être déjà militants dans des mouvements, et d'autres qui arrivaient en disant « mais voilà, on est dans un système qui ne nous offre aucune sortie qui peut être intéressante, donc on va construire nous-mêmes ce qu'on a envie de voir se mettre en place. On ne sait pas quelle forme ça va prendre, on ne sait pas exactement comment on va s'y prendre, mais on se met tous ensemble et on construit ensemble. » Ça a été ce qui a vraiment fédéré chacun, c'était de « voilà, je n'ai peut-être pas d'expérience, j'ai des idées assez floues, mais par contre ce système je n'en veux plus et je veux participer à élaborer autre chose. » La loi dite travail, elle est aussi appelée loi El Khomri, du nom de la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Son contenu a été rendu public le 17 février. C'est une loi qui entend profondément réformer le code du travail. C'est une loi de 130 pages avec 52 articles. Donc c'est un projet de loi complexe, mais qui attaque les conditions des salariés sur plusieurs sujets, surtout sur le temps de travail. C'est une loi qui va servir surtout à allonger le temps de travail et à rendre variable le temps de travail par semaine selon les fonctions, en fonction selon les besoins de l'entreprise, donc du patron. Par exemple, il va être possible de négocier avec des salariés des forfaits tout horaire ou forfaits jour, c'est-à-dire c'est des contrats où tout le temps qui est travaillé dans la journée est censé être payé. On ne mesure pas les heures supplémentaires. C'est-à-dire, on peut faire autant d'heures supplémentaires qu'on veut, on touche toujours le même salaire. Alors, dans les grandes entreprises, ça doit être négocié avec les syndicats, mais ce qui est prévu, c'est dans les entreprises jusqu'à 50 salariés, donc moyenne, ça peut même passer sans accord avec entre l'entreprise et les syndicats. La protestation très tôt, parce que, donc, comme je disais, le contenu a été publié dans la presse le 17 février, et très tôt, les organisations syndicales ont dit « c'est un scandale ». Un, le contenu est très mauvais, il est mauvais pour les salariés. Deux, nous, on ne nous a pas consultés. C'était il y a eu une, deux heures où la CGT, Force ouvrière, le CFDT, les autres, les grandes organisations syndicales ont été reçues, mais on ne nous a jamais demandé vraiment notre avis. Donc on nous dicte le contenu de cette loi. Donc très tôt, les grandes organisations syndicales ont protesté. Aussi, les organisations de jeunesse et les étudiants et étudiantes dans les universités ont commencé à protester. Dans les jours de grève, on essaye. Parfois, il y a des cortèges nus debout dans les manifestations. Parfois, il n'y en a pas et chacun se mêle à son cortège syndical pour ceux qui sont syndiqués ou à l'avant de la manifestation pour une bonne partie aussi des militants ou des passants de nuit debout. Voilà, chacun trouve son espace. On essaye de faire en sorte. Enfin, les syndicats ont été invités à plusieurs reprises à prendre la parole ici. Ici, on est quand même plutôt hors des outils traditionnels politiques. On est un peu moins loin des outils syndicaux parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui sont syndiqués. Mais par contre, les méthodes, les modalités d'action sont quand même assez différentes de la tradition syndicale. Donc on essaie de travailler en bonne intelligence avec quand même des différences assez marquantes. Ça marche un peu ensemble avec les organisations syndicales parce qu'il y a souvent des syndicalistes qui viennent ici. Il y a souvent des gens qui prennent le micro en disant « je suis à la CGT ». Voilà ce qui se passe dans mon entreprise. Et par ailleurs, je pense que... Mais il y a aussi des gens qui se méfient des organisations syndicales. Des jeunes, des gens non organisés. Mais il y a eu des phases où ça s'est beaucoup rapproché avec les organisations syndicales. Par exemple, le 28 avril. Le jeudi 28 avril, c'était aussi une journée de manifestation et de grandes manifestations. À Paris aussi, il y avait 50-60 000. Et le soir, étaient invitées les organisations syndicales au meeting. Donc à la réunion publique sur la place, le soir après la manifestation. Et le chef de la CGT, donc le porte-parole, le secrétaire général, voilà, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui représente quand même 700 000 syndiqués, il est venu. Il a parlé en premier. Il a laissé plein de gens parler avant lui. Il a attendu patiemment
Et c'est là qu'il a dit qu'il appelle à la grève et même à la, il a même dit qu'il est pour la grève générale. Et c'était nouveau parce qu'avant la CGT n'utilisait pas le mot grève générale pour cette lutte-là. Il a dit j'appelle à la grève générale si le gouvernement la rend nécessaire, s'il ne le sait pas. Mais il a dit aussi, par rapport à des gens un peu radicaux qui disent grève générale un peu facilement, ça ne se décrète pas, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on la veut qu'elle existe, mais il faut la construire. Donc il faut faire le travail des entreprises. Ce qui est juste. Mais les deux se sont retrouvés. Les forces qui sont ici, les gens qui ne sont pas syndiqués, des jeunes qui ne sont pas organisés, des précaires, dont les syndicats ne s'occupent pas assez, insuffisamment, et les organisations syndicales. Après, il y a eu des phases où ça marchait bien ensemble, et il y a des phases de méfiance. Mais je dirais que l'enjeu, évidemment, c'est de faire marcher les deux ensemble. Parce que sinon, on ne peut pas gagner. Alors, la CNT, c'est un syndicat anarcho-syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire. Donc, on est implanté dans pas mal de secteurs professionnels, un peu partout en France, avec plus ou moins d'importance selon les secteurs professionnels, selon les régions. Et dans les grèves, par la grève, par la présence en manifestation, par la présence dans des actions, par aussi une présence sur le Nuit Debout, dont vous avez sûrement entendu parler. C'est cette espèce d'assemblée générale permanente avec du bon, du moins bon, de l'intéressant, du moins intéressant, mais enfin beaucoup de choses qui se passent en tout cas, une politisation un petit peu de l'espace public dans laquelle du coup on a trouvé qu'on avait notre place, donc on a assuré une présence syndicale dans ce cadre-là aussi. On continue notre travail de propagande, de tract, de publication, de communiqué, d'appel à la grève. On appelle depuis le début à la grève générale reconductible, évidemment. Dans la mesure du possible, on essaye d'être en grève au maximum. Et par ailleurs, il y a énormément de militants de la CNT qui sont très engagés, justement, qui sont aussi dans ces têtes de manif un peu libres, un peu, mais qui vont en tant que CNT, et qui permettent aussi d'avoir un lien et de montrer que la CNT est à la fois une force syndicale, mais une force syndicale qui est un petit peu différente. Par son fonctionnement, ses objectifs et ses manières de faire, un peu différentes des structures syndicales traditionnelles. Voilà. Depuis le début, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va construire, on ne sait même pas comment on le construit, on invente tout à chaque fois. Des fois même on réinvente des choses qui ont déjà été inventées souvent, donc ça ne va pas forcément très vite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il met énormément de gens en marche dans une activité militante, et on en parlait tout à l'heure, parmi ces gens, Beaucoup n'avaient jamais milité auparavant, n'avaient jamais mis de mots sur ce qui nous oppresse, le capitalisme, ses fonctionnements, l'utilisation de la police pour réprimer toute forme d'opposition. Et donc, suite à ça, il y a beaucoup de gens qui se forment, qui avancent des nouvelles idées. Et voilà, il y a l'Assemblée populaire qui est un grand moment de prise de parole où chacun peut prendre la parole et faire des propositions. Il y a les commissions qui sont des espaces de travail où il y a des idées qui se construisent, des actions qui se mettent en place. Et puis après, il y a toutes les actions, les manifestations qui partent d'ici. Et ça, pour nous, c'est très important parce que c'est ce qui maintient le lien très direct avec tout le mouvement social en place en ce moment, essentiellement contre la loi El Khomri sur le licenciement. Mais aussi les actions des intermittents du spectacle, mais aussi les actions des cheminots, celles des électriciens gaziers, celles des enseignants qui réfléchissent à comment modifier le rapport de l'école à la société. Bref, il y a beaucoup de choses qui partent d'ici. Oui, il y a quelques échanges. Après, dès le début, on a voulu nous dire « Ah bah vous êtes comme les indignés espagnols, vous allez faire un Podemos et tout ça ». Nous, on a très vite pris nos distances avec ça en disant « On est très intéressés pour échanger avec les Espagnols, pour échanger avec les Grecs, avec les Allemands et les gens de toute la planète. Les Turcs aussi qui ont occupé des places, pourquoi pas les Égyptiens. » Mais chaque chose est très différente. Nous ne sommes certainement pas un clonage ou une descendance du mouvement des indignés. Nous construisons notre mouvement au fur et à mesure tous ensemble et impossible de savoir où ça ira. Pour ce qui est des liens internationaux, il y en a. Il y a une commission qui est chargée de ça. Les liens sont assez évidents effectivement avec l'Espagne puisqu'il y a ici, dès les premiers jours, des Espagnols qui sont venus nous en parler. Mais il y a aussi des gens qui viennent de partout dans le monde et on essaye de faire en sorte que les liens se fassent. Et après, quant à vous dire si ça va vraiment s'internationaliser, nous avions dit que nous ne tolérerions pas sur la place ni racisme, ni sexisme, ni des infiltrations d'extrême droite.
qu'elle soit discrète par des gens qui entretiennent des ambiguïtés, ou qu'elle soit franche et violente, comme ça a été le premier samedi soir de Nuit Debout. Donc depuis, on est resté sur cette position. Ici, l'extrême droite n'a pas sa place. Et c'est quelque chose qui est plutôt bien partagé. Il y a eu des débats quand même. Une partie des gens disaient « Oui, mais il faut leur laisser la parole et on se rendra bien compte si leurs idées sont pas bonnes. À ce moment-là, on les mettra dehors. » Et on est très nombreux à dire « On n'a pas créé un tel espace de parole pour le donner à des gens qui ont déjà leurs espaces de parole et dont le sens de leur parole est de nous interdire à nous la parole. » Trotz einer neuen sozialen Bewegung von links gewinnen rechte Kräfte in Frankreich sowie in vielen anderen Ländern Europas weiterhin an Stärke. Der Front National, der das Klima der Angst nach den Anschlägen im November 2015 schürte und für sich nutzte, konnte bei den Regionalwahlen im Dezember 2015 mit 6,7 Millionen Stimmen im zweiten Wahlgang das beste Ergebnis seiner Geschichte erzielen. Weiterhin gehen tausende Menschen mit der reaktionären Manif pour tous gegen die Ehe von Homosexuellen auf die Straße. Neurechte Bewegungen versuchen unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit mit rassistischen Ressentiments in der Gesellschaft Anschluss zu finden. C'est qu'en général, quand un nouvel espace s'ouvre, un nouvel espace politique, forcément l'extrême droite est à l'affût. Alors, pour prendre l'extrême droite institutionnelle, donc le Front National, ils ont un problème. Ils n'arrivent pas à vraiment appréhender le mouvement parce que d'un côté, par populisme, ils souhaitent accompagner ce mouvement et s'y inscrire à sa façon. Et de l'autre côté, parce qu'ils sont les garants d'un certain ordre républicain et ils ont aussi une vision assez conservatrice des choses, eh bien, ils peuvent pas non plus dire oui, les grèves, c'est bien, oui, les blocages, c'est bien. Il y a eu une manifestation de policiers mécontents. Ça s'est passé ici, place de la République, le mercredi 18 mai. Il y a eu un millier de policiers, de différents syndicats policiers, notamment d'un qui est marqué à droite, qui s'appelle Alliance. Les policiers ont manifesté ici et ils sont venus soutenir massivement. Donc le FN a communiqué. Ils ont communiqué avant. Et ils ont dit, nous, on soutient les policiers. Alors, c'était une propagande un peu bête parce qu'ils avaient, par exemple, le chef du Front National en Ile-de-France, donc en région de Paris, qui s'appelle Valéran de Saint-Just. Il avait fait une communication sur Internet. Il avait dit, je soutiens ce policier blessé. Or, la presse a regardé et le policier a envoyé un policier par terre qui saignait en sang. Mais il n'a pas été blessé ici. Il a été blessé en Thaïlande. C'était un policier thaïlandais blessé en 2014, il y a 2 ans. Donc, bon. Ça, c'était avant. Et puis, ils sont venus ici sur la place. Alors, le jour de la manifestation des policiers, il y avait des grilles autour de la place. On ne pouvait pas accéder. Il fallait avoir soit une carte presse, soit une carte de policier. Mais les députés, ils peuvent venir. Parce qu'avec une carte de député aussi, on passe. Et le Front National a deux députés à l'Assemblée nationale. Marion Marchal-Le Pen, une jeune femme, et Gilbert Collat, qui est un ancien avocat. Et les deux sont venus ici. Et ils ont eu un succès parce qu'il y a beaucoup de policiers qui se sont fait photographier en selfie avec Marion Marchal-Le Pen notamment. Là, ils sont un peu réapparus. C'est sûr que là, un climat de peur, que ça soit l'insécurité en termes de social, la précarité dans le monde du travail, que ça soit l'insécurité dans la rue à cause des attentats ou d'autres choses, c'est toujours le terrain sur lequel l'extrême droite prospère. Mais il y a une tendance aussi, et en France et peut-être à l'étranger, à faire comme si l'extrême droite était gagnante à tous les coups. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, le moindre événement, le FN ou l'extrême droite pourrait en tirer profit. Alors en Suisse, on a un parti xénophobe, populiste, islamophobe, qui s'appelle l'UDC, Union démocratique du centre, ou SVP en allemand. Ce parti, en fait, régulièrement, ils font des initiatives xénophobes, racistes, qui durcissent le droit d'asile et qui rendent la vie des migrants et des étrangers beaucoup plus dure en Suisse. Il se trouve que toutes ces campagnes qu'a fait l'UDC, certaines affiches de l'UDC ont été reprises par le Front National. Il y a effectivement donc, l'affiche avec les minarets qui a été reprise, qui a été créée par l'UDC, qui a été reprise par le Front National. Une fois que l'UDC a une victoire électorale en Suisse,
Marine Le Pen fait des déclarations dans les médias français en disant « Bravo la Suisse, bravo les Suisses pour voter des lois xénophobes, des lois racistes ». Par contre, de mon point de vue, c'est plutôt les groupes néo-fascistes français qui sont extra-parlementaires, qui sont à la marge du FN. C'est plutôt eux le problème en Suisse, parce que voilà, on partage la frontière avec la France, en Suisse romande. Et vu que ces dernières années, l'extrême droite a pas mal. L'extrême droite suisse et l'extrême droite française ont vraiment tissé beaucoup de liens ces dernières années. Et ça a fait que il y a beaucoup de militants néo-fascistes français qui, pour des raisons professionnelles, viennent s'installer en Suisse. Et ils exportent aussi leur militantisme, leur savoir-faire. Ça crée un lien transfrontalier entre les néo-fascistes suisses et français. Traditionnellement, les mouvements radicaux sont toujours plutôt du côté de la matraque. Donc ils arrivent, en général ils attaquent les manifestants ou ils font les auxiliaires de police. Dans l'histoire, ça s'est toujours vu comme ça. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'on a ce qu'on appelle les confusionnistes. C'est-à-dire des gens qui ne se disent pas d'extrême droite. Ils disent « nous, on n'est pas d'extrême droite ». Qui portent un discours d'extrême droite, mais disent « c'est la liberté d'expression ». Et qui se pensent comme mouvement social. Alors, ils sont très minoritaires. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'extrême droite a vraiment changé de visage. Et donc, elle peut s'inviter dans ces nouveaux espaces de lutte sans être forcément automatiquement associée à l'extrême droite et donc dénoncée. Et même quand elle l'est, il y a aujourd'hui cette espèce de relation étrange à la liberté d'expression qui voudrait dire que toutes les opinions se valent, que le racisme finalement, bon bah c'est pas bien, mais c'est une opinion comme les autres, que tout le monde doit être écouté, etc. Et qu'il n'y a plus à protéger cet espace. Alors l'extrême droite, elle est à un niveau élevé, elle est à un niveau fort. Je dirais le bilan de 4 ans de politique social-démocrate qui est nul sur tous les plans, qui est négatif sur tous les plans, a contribué à ce que l'extrême droite gagne encore des nouvelles couches d'électorat, en partie des déçus de la social-démocratie. L'extrême droite était déjà à un niveau élevé avant. L'extrême droite, donc le principal parti de l'extrême droite, le Front National, a fait 17,9%, donc 18%, à l'élection présidentielle le 22 avril 2012. Depuis 2012, ça a encore augmenté. Ils étaient à 18%. Là, ils sont sur un socle de 25%. Alors 25% des voix exprimées avec une abstention qui elle-même est forte. Mais donc, il y a eu les élections municipales en mars 2014. Il y a eu les élections européennes le 25 mai 2014 où le Front National a fait 25%. Et il y a eu les élections départementales en mars 2015. Où le Front National a fait encore 25%. Il y a eu les élections régionales en décembre 2015 où il a fait 27%. Donc ils sont à un niveau élevé. Et le bilan de 4 ans de gouvernement de gauche qui est entièrement négatif y a contribué. Après, nous, en tant qu'antifascistes autonomes, la question des électorales, elle nous intéresse, mais elle ne nous concerne pas directement parce que ce qui nous semble important, c'est pas de savoir qui va gagner les élections en 2017, c'est de savoir est-ce que les gens vont enfin réfléchir à la façon dont la société allait organiser et dans la façon dont eux-mêmes ils veulent vivre. Et de toute façon, il faudra être en résistance. Quelle que soit la personne qui sera à la tête de l'État, ça sera la même police, ça sera les mêmes politiques, ça sera les mêmes changements. Et nous, quel projet on développe, quel projet on porte. Et je crois que ces questionnements-là, elles commencent à faire leur retour. Après le soutien vient l'action, ces suicides je n'y crois pas, connaissant le vrai visage de la répression. Ils battent le fer avec autant de virulence que les potes de CRS arpentent le pavé. Pays de flics et de collabos, de démocrates et de socialos, vendus au capital et à la propriété privée. Il faut les voir manifester pour le Tibet, manger bio et soutenir la violence à l'étranger. Alors que dans nos banlieues tristes, ils sont choqués par la révolte d'une jeunesse étouffée dans des quartiers. Il faut les voir, ces sociales traîtres, brandir une putain de rose qui s'apparente à une fleur de lys, essayant de nous faire croire qu'ils sont socialistes, en nous citant Jaurès comme jadis. Mais bordel, ils peuvent se noyer dans leur pisse. Luttez, résistez, organisez-vous en mouvement collectif, groupe d'affinité, pas de parti chez nous. En devenant indépendant, adepte de l'autonomie,
Le peuple on vit avec et connaît chaque partie de son anatomie. Lutter, résister, organiser. C'est que pour nous le rap dans la lutte antifasciste c'est un outil culturel à travers lequel on exprime des choses qui s'inscrivent dans les luttes antifascistes. Et du coup, bah, si on peut faire des concerts de rap en passant des bons moments avec des gens à qui on fait découvrir un discours ou à qui on porte une parole ou sinon juste pour du soutien ou du kiff avec des camarades antifascistes et tout, bah, c'est un kiff et un plaisir, quoi. La musique, c'est bien parce que c'est vrai que ça permet aussi de toucher, de sensibiliser des personnes à certaines idées et à certaines pratiques. Parce qu'en fait, tu choisis pas quand t'es touché par une musique. Donc ça te tombe un peu dessus et après tu cherches à comprendre pourquoi et tu peux creuser, gratter et voir notamment ce qu'on fait avec B-Boy Conscient, ce qu'on fait, notre façon en fait de faire de la musique, quoi. Aussi, je veux dire, dans la vie, hein, comme on est organisé et ce qu'on fait en dehors, etc. Donc non, je pense que ouais, ça, même, enfin on l'a vu, il y a plein de gens qu'on a sensibilisés à des trucs qui aimaient juste le rap en fait. Et puis ils se disent, putain, j'aime le rap, j'aime bien Première Ligne, et hop, tu rentres à l'intérieur de l'univers, et puis voilà quoi. Ouais. Je pense que l'événement majeur, c'est quelque chose qu'on n'attendait plus, c'est-à-dire l'émergence d'un mouvement social progressiste en France. Il y avait eu dans les années 2000, 2013, 2014, un mouvement réactionnaire très important, la Manif pour tous, qui avait mis des centaines de milliers de gens dans la rue, et on commençait un peu à désespérer que de notre côté, il se passe quelque chose. En 2010, pareil, il y avait une mobilisation contre une réforme des retraites qui avait débouché sur finalement pas grand-chose. Et là, depuis deux mois, bientôt trois, on a vraiment le sentiment qu'il se passe quelque chose, enfin. Un petit peu comme ce qu'on avait connu en 1995 en France, avec un grand mouvement de grève sur plusieurs secteurs. Et là, on retrouve à la fois ce mouvement social, on va dire, un peu traditionnel, syndical, dans des secteurs importants, le transport, l'énergie, l'éducation. Mais ce qui est intéressant, c'est que vient s'y associer quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres pays, en Espagne ou ailleurs, ou en Grèce, l'émergence d'un mouvement qui accompagne les salariés dans la défense de leurs droits et qui pose d'autres questions que celles simplement pour la France, là, de la réforme du Code du travail, mais qui invite à se réengager, à nouveau avoir de l'espoir en quelque chose et surtout se dire que la possibilité d'un changement social n'est plus un mythe ou une chimère, c'est quelque chose qui pourrait devenir réel. Et en tout cas, même si on ne sait pas encore vers quoi on va... Depuis le premier jour, je pense que ça va s'arrêter demain. Donc chaque jour, je suis très heureusement surpris. Je suis pour, évidemment, une autre structure politique et logique politique totalement différente de celle qui existe aujourd'hui. Alors déjà, au niveau français, supprimer la constitution de la Ve République, faire une assemblée constituante, écrire une autre constitution, supprimer la présidence de la République. Je crois que là, ce qui va être vraiment essentiel, c'est qu'on doit profiter, vraiment, ça me semble important, du climat social actuel pour faire sortir de la tête des gens que l'alternative en termes de sur la question sociale, c'est l'extrême droite. C'est-à-dire que plus d'autres voies seront explorées, plus il y aura vraiment un champ de possibles qui s'ouvrira, plus on pourra reparler de l'extrême droite comme effectivement une alternative, mais quelle alternative ? Et s'en servir de contre-modèle. Mais tant qu'il n'y avait pas d'autres modèles alternatifs à la société telle qu'elle est, on ne pouvait pas le faire parce que les gens nous disent « oui, mais vous dites ça, mais vous n'avez rien ». Donc le jour où on pourra s'appuyer sur quelque chose, on pourra à nouveau faire ce travail-là. Et puis d'autre part, on reste quand même vigilant parce que, comme je vous le disais, le mouvement actuel n'a pas une identité politique encore très affirmée. Clément n'est pas mort pour rien, il n'est pas mort dans n'importe quelle situation et n'importe quel contexte. Aujourd'hui, l'extrême droite, la répression, l'État est de plus en plus fort. Et plus on avance dans le temps, plus les années passent. Bah, de toute façon, je pense que pour changer ce qui est actuellement mis en place en France, il faudrait une révolution. Maintenant, la révolution, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et la violence de l'État nous a aidé entre guillemets, dans le sens où elle s'est abattue de façon aveugle sur à peu près tous les gens qui contestaient
Et ça a quand même à un moment donné obligé les gens à voir que ce qu'on leur raconte depuis des années n'est pas tout à fait vrai. Et là, à se mettre dans une perspective révolutionnaire au sens large, c'est-à-dire la possibilité qu'un changement ne se fera pas en douceur, qu'il va falloir être fort, il va falloir être organisé, il va falloir être collectif, et qu'il n'y aura pas un seul moyen de le faire. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de dogmatisme pour l'instant, il n'y a pas de voie toute tracée, il n'y a pas la mainmise d'un courant ou d'un parti ou d'une organisation ou même d'une option politique ou d'une pratique sur ce mouvement. Il reste pluriel, il reste ouvert, il est minoritaire encore évidemment, mais il pourrait potentiellement en émerger quelque chose. Et pour des antifascistes, évidemment, lutter contre l'extrême droite va vraiment avoir du sens, va vraiment être plus fort, plus compréhensible aussi peut-être par les gens, si on a nous-mêmes une alternative à défendre.